بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي a dit dans son livre Al-Arba'in, les 40 hadiths, Al-Hadithu Al-Sadis wa Al-Thalathun, An Abi Hurayrata radiallahu anhu, An Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi al-dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Wa man yassara ala mu'asirin, يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ. Ce qui signifie le 36e hadith. D'après Abu Huraira, puisse Allah être satisfait de lui, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque soulage un croyant d'un des malheurs de la vie d'ici-bas, verra Allah le soulager d'un des malheurs du jour de la résurrection. » Celui qui facilite un musulman en difficulté verra Allah lui faciliter le jour de la résurrection. Celui qui cache les défauts d'un musulman verra Allah cacher ses défauts dans la vie d'ici-bas et la vie future. Allah Azza wa Jal aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère, c'est-à-dire son co-religionnaire, ou l'être humain de manière générale. Quiconque emprunte une route vers la science, Allah lui facilitera une route vers le paradis. Et aucun groupe de personnes ne se réunit dans une des maisons d'Allah afin de lire son livre sacré et de l'étudier entre eux sans que la sakina leur descende dessus, la sakina, l'apaisement, ne leur descende dessus, que la miséricorde les recouvre, que les anges les entourent, et qu'Allah les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Et quiconque délaisse l'œuvre, sa généalogie ne lui sera d'aucun secours. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim avec ces termes. Premièrement, « Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi al-dunya » Quiconque soulage un croyant d'un des malheurs de cette vie d'ici-bas verra Allah le soulager d'un des malheurs le jour de la résurrection. Nafasa, en langue arabe, ça vient de nafas, la respiration. Nafasa, ça veut dire soulager quelqu'un qui est étranglé. Par exemple, quelqu'un qui se serait étranglé avec quelque chose, le fait de le faire cracher la chose qui l'étrangle, et lui permettre de respirer, ceci s'appelle nafasa. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé ce terme pour montrer la difficulté du malheur dans lequel se trouve cette personne. Donc c'est comme si elle était étranglée par ce malheur. Le fait de la soulager de ce malheur a
pour récompense que Allah nous soulage d'un des malheurs du jour de la résurrection. Et il y a dans ce hadith et dans beaucoup d'autres versets et hadiths une règle dans le dogme général. Elle est al-jaza'u min jins al-amal. Donc ce qui signifie la rétribution est de la même nature que l'œuvre. Si on fait une mauvaise œuvre, on sera rétribué de la même nature que cette mauvaise œuvre. Et si au contraire on fait une bonne œuvre, on aura une récompense de la même nature que cette bonne œuvre. La seule différence est que la rétribution de la mauvaise œuvre est un châtiment juste qui ne dépasse pas la mauvaise œuvre. Quant à la récompense, elle est multipliée par 10 jusqu'à 700 fois, jusqu'à beaucoup plus. Lorsque le messager d'Allah a dit « Man naffasa an mu'min » donc quiconque soulage un croyant d'un des malheurs de la vie d'ici-bas, les savants ont dit même s'il soulage un non-musulman, il aura cette récompense. Mais c'est ce qu'on appelle « qaid kharaja makhraj al-ghalib » c'est-à-dire dans une communauté musulmane, en général, on va essayer d'aider les musulmans. Mais si il soulage un non-musulman, il aura aussi cette récompense. Les malheurs du jour de la résurrection sont nombreux, tels que la descente du soleil, tels que le séisme important qui va avoir lieu, tels que l'effacement des étoiles et autres malheurs. Ces malheurs seront soulagés, ou le musulman se retrouvera soulagé à la vue de ces malheurs, car il aura soulagé les gens de leurs malheurs dans cette vie d'ici-bas. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ donc celui qui facilite à une personne en difficulté. Al-mu'asir, ça peut signifier la personne endettée, donc faciliter à la personne endettée en lui donnant un délai, par exemple, jusqu'à ce qu'elle puisse rembourser. Et ceci est obligatoire si la personne le demande, comme Allah Azza wa Jal a dit « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ » ce qui signifie « si la personne endettée est en difficulté, alors il faut lui laisser un délai jusqu'à ce qu'elle soit jusqu'à ce qu'elle ait la capacité de rembourser. Et il est préférable d'annuler la dette à la personne en difficulté. Ceci car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Kana tajirun yudayinu nas, fa'idha wajada mu'asiran, qala li sibyanihi, tajawazu anhu » لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ ce qui signifie il y avait un commerçant qui prêtait de l'argent aux gens. S'il trouvait une personne parmi les personnes endettées qui était en difficulté et qui n'arrivait pas à rembourser, il disait à ses enfants pardonnez-lui et ne lui demandez pas donc sa dette, pardonnez-lui, peut-être que Allah ou dans l'espoir qu'Allah nous pardonnera, et Allah lui a pardonné à cause de cette œuvre. Et ça rentre dans la même règle de dogme, al-jaza'u min jins al-amal. Donc lorsqu'il a pardonné à la personne endettée et qui lui a laissé l'argent, Allah, le jour de la résurrection, lui a pardonné et n'a pas tenu compte de ses péchés. Donc c'est-à-dire la rétribution est toujours de la même nature que l'œuvre. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا donc celui qui cache les erreurs d'un musulman verra ses erreurs cachées par Allah. Bien sûr, le fait de cacher des erreurs, les erreurs du musulman de manière générale, a des conditions. Premièrement, il faut que ces erreurs concernent les droits d'Allah et non les droits des créatures d'Allah. Par exemple, un voleur, on sait qu'une personne a volé de l'argent à un tel et cette personne qui a été volée ne peut pas savoir qui l'a volé et ne peut pas avoir, par exemple, son argent ou autre chose qui a été volé. Dans ce cas-là, il n'est pas préférable de cacher ce qu'a fait le musulman. Au contraire, il faut l'exposer afin que cette personne récupère son droit. Il faut que ce musulman qui a fait un mal, qui rentre dans les droits d'Allah, par exemple, une personne buvant de l'alcool, par exemple,
cette personne ne fait du mal qu'à elle-même, et ceci rentre dans les droits d'Allah. Elle ne fait pas de mal aux autres créatures d'Allah. Cette personne-là, il faut la cacher si elle désire se repentir. Par contre, si elle fait cela sans se cacher à la base, qu'elle fait ça et que tout le monde sait que c'est une personne ivrogne, dans ce cas-là, si on parle d'elle, ce n'est pas de la médisance et il n'est pas obligatoire de la cacher. Mais il faut lui faire, il faut la conseiller, bien sûr. Si on est témoin dans un tribunal, on est obligé de dire la vérité. Dans ce cas-là, il ne faut pas cacher le péché du musulman. Si on se retrouve témoin dans un tribunal et que notre témoignage est donc une des preuves dans ce dossier, il est obligatoire de dire la vérité, il est interdit de la cacher. Par contre, les gens de l'égarement qui appellent à des croyances nouvelles, qui ne font pas partie des croyances de l'islam, il est obligatoire de les exposer et de mettre en garde contre eux, afin que les musulmans ne les écoutent pas et afin qu'ils sachent que ces gens disent des choses qui ne sont pas conformes à la vraie croyance islamique et au vrai dogme musulman. Satarahullahu fi dunya wal akhirah, donc Allah le cachera ou cachera ses défauts dans la dunya et dans l'au-delà, dans la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. C'est-à-dire, il le préservera lorsqu'il fait des erreurs dans cette vie d'ici-bas, donc les gens ne le verront pas, et le jour de la résurrection, il lui pardonnera. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Donc Allah, de manière générale, il aide toutes ses créatures. On ne peut respirer que par la permission d'Allah. Si Allah ne nous permettrait pas de respirer, on ne pourrait pas. Mais ce que signifie ce hadith, donc Allah aide son serviteur tant que ce serviteur procure son aide à ses frères, c'est-à-dire une aide spéciale d'Allah, Allah lui facilitera tout ce qu'il entreprend. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Khayrun nas anfa'hum linnas », ce qui signifie « la meilleure des personnes est celle qui est le plus profitable aux gens ». Donc le fait d'aider les autres est une action très honorable et sa récompense est immense. Allah facilite tout ce qu'entreprend la personne qui aide les autres si elle le fait de manière sincère, bien sûr. Sincère, c'est-à-dire pour Allah seul. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا. Donc quiconque emprunte une route en recherchant la science. Quiconque emprunte une route, donc vers la science. La route peut être une métaphore ou peut être dans son sens de base. Si elle est dans son sens de base, quiconque emprunte une route sur la terre ou sur la mer pour aller apprendre une science à un endroit donné, une science profitable, dès qu'elle sera sur cette route, qu'elle sera sortie de chez elle pour se mettre sur cette route, Allah lui facilitera la route vers le paradis. Si ce qui est voulu par la route est une métaphore, toute personne, même si elle est chez elle, qui entreprend d'apprendre une science bénéfique, cette personne aura un chemin facilité vers le paradis. Donc par exemple, si elle lit, si elle écrit, si elle écoute un cours, si elle répond à une question ou qu'elle demande à une personne de science de lui répondre à une question, tout cela rentre dans la route, dans son sens métaphorique. Et il y a beaucoup de hadiths qui incitent à apprendre la science religieuse et c'est la plus éminente de toutes les sciences profitables, telles que la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Man yuridillahu bihi khayra yufaqihhu fid din », ce qui signifie « quiconque ou lorsque » Allah, lorsqu'Allah veut du bien pour quelqu'un, il lui donne la compréhension de la religion. Il lui enseigne sa religion. Donc, ceci est bien sûr la science la plus éminente, la science religieuse. Le Coran et la Sunna et savoir connaître la jurisprudence et le droit musulman, etc. وَمَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ.
Donc aucun groupe de personnes ne se réunissent dans une des maisons d'Allah afin de lire le Coran et de l'étudier entre eux sans que la sakina descende sur eux, etc. Les savants ont dit fi baytin min buyutillah, donc dans une des maisons d'Allah, c'est ce qu'on appelle qaid kharaja makhraj al-ghalib, c'est-à-dire ce n'est pas une condition, ce n'est pas une condition essentielle que ce soit dans une mosquée. Mais s'ils se réunissent dans un endroit saint qui a été fait pour adorer Allah, par exemple dans une école, dans un centre d'enseignement, etc., dans ce cas-là, ils auront la même récompense. Donc ils se réunissent pour lire le livre d'Allah. Yatluna kitab Allah. Il y a plusieurs façons de se réunir pour lire le livre d'Allah. Premièrement, ils se réunissent et chacun lit le Coran de son côté. Deuxièmement, un d'eux lit le Coran et les autres répètent après lui ceci dans le but d'apprendre. C'est dans un but éducatif. Troisièmement, l'un d'eux commence à lire et le second le suit là où il s'arrête, et ainsi de suite. Ou il commence à lire et le second répète ce qu'il a lu. La quatrième façon, un d'eux lit et tous les autres écoutent. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé de lire le Coran, et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a lu les débuts de Sourate al-Nisa. Donc ceci est autorisé aussi. Quant au fait de se réunir pour tous lire ensemble, sans que ce soit dans un but éducatif, tout le monde lit d'une même voix sans que ce soit dans un but éducatif, ceci est détestable. Et ça ne fait pas partie de la sunna. Donc les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne faisaient pas ceci. Et il est rapporté de l'imam Malik qu'il détestait toute forme de réunion pour lire le livre d'Allah. Donc les gens se regroupent pour ceci. Mais bon, ce hadith montre que ce n'est pas ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est que c'est autorisé, mais des façons que j'ai citées précédemment. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Donc, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a étudié et qui ensuite l'a enseigné. نزلت عليهم السكينة. Donc, السكينة, c'est une création d'Allah qui apporte la paix et la quiétude à la personne sur qui elle descend. Donc c'est une des créations d'Allah, Azza wa Jal. On est As-Sakina, elle apporte la paix et la quiétude. Rashiyatuhumur Rahma, c'est-à-dire la miséricorde les couvrira. Comme Allah, Azza wa Jal, a dit, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ce qui signifie la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Wa haffatuhumul malaika. Dans une autre transmission du hadith, d'après Abu Huraira, dans Al-Bukhari wa Muslim, il a dit وَيَحْفُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا. Ce qui signifie les anges les recouvrent avec leurs ailes jusqu'au premier ciel. Donc c'est-à-dire les anges entourent ces gens en train d'étudier le livre d'Allah jusqu'à ce que leurs ailes atteignent le premier ciel visible. Dhakarahumullahu fi man 'inda. Donc Allah les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. C'est-à-dire Allah fait les éloges de ces gens étudiant le livre d'Allah. Il fait ces éloges auprès des anges rapprochés, des anges qui sont rapprochés d'Allah Azza wa Jal. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعَ بِهِ نَسَبُهُ. Donc, quiconque délaisse l'œuvre, délaisse l'action selon sa science, sa généalogie ne lui sera d'aucune utilité. Peu importe qui sont ses aïeux, qui est son père, sa mère, ses grands-pères, etc., si il n'est pas pieux et s'il si n'œuvre pas selon cette science profitable, qui est le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, dans ce cas-là, ceci ne lui sera pas profitable. Et il n'y a pas de meilleur exemple que Abu Lahab,
l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il était l'oncle du messager d'Allah. Pourtant, Allah azza wa jal a dit dans le Coran, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ce qui signifie que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Donc ça ne lui a servi à rien d'avoir cet honneur d'être l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car il a mécru et qu'il a même combattu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam.